Les apôtres, groupés au portail central, accompagnent le Christ du trumeau. Accueillant le visiteur, le Christ lève la main droite en signe de bénédiction. Le dais qui surplombe sa tête fait apparaître un églantier avec ses feuilles et ses fleurs. Sur le côté, deux petits anges soutiennent l'encensoir. Le Christ a les pieds posés sur le lion et le dragon, symbole du mal. La première scène immédiatement sous le Christ représente un homme agenouillé, tête levée, dont les mains jointes avant mutilation marquaient la prière. À ses côtés, un panier rempli de pain, manipulé par deux serviteurs. La scène du bas montre au centre un homme qui tenait un pain accompagné de deux personnages, dont une dame à sa droite. Selon l'hypothèse la plus vraisemblable, mais qui reste à confirmer, cette scène pourrait faire allusion au mariage du comte de Chartres, Louis de Blois, avec Catherine de Clermont. Lors des mariages nobles, la coutume était de distribuer du pain aux pauvres. Aux ébrasements de la porte centrale du portail sud, aux côtés du Christ, s'alignent les apôtres. À deux exceptions près, chacun d'eux tient l'instrument de son supplice et a généralement pour socle son persécuteur. Pierre et Paul, considérés comme les deux piliers essentiels du christianisme, sont les plus proches du Christ. Paul, qui n'était pas apôtre, remplace généralement Judas et son successeur Matthias. Saint Pierre occupe la place d'honneur à droite du Christ. De sa main droite, il tient symboliquement les clés qui ouvrent la porte du royaume de Dieu. Dans son autre main, il tient une partie de son supplice. Il fut condamné à mort par Néron. Sur le socle de pierre apparaît avec sa bourse le magicien protégé de Néron. Le magicien avait proposé à Pierre de lui acheter les pouvoirs spirituels des apôtres. Ce dernier lui répondit qu'on n'acquiert pas à prix d'argent les dons de Dieu. Saint André se place à côté de son frère Pierre. Il tient dans sa main une partie de la croix de son supplice. La croix en X est rarement associée à André, avant le XIVe siècle, et c'est ici le cas. C'est surtout l'art bourguignon qui, à partir de cette époque, l'a développé dans l'iconographie. Sous ses pieds, le proconsul Égéas, qui le fit arrêter et organisa son sacrifice. Saint Philippe est comme Saint André, originaire de Bethsaïde. Il tient l'épée qui l'aurait décapité. Rarement, comme ici, l'épée apparaît hors de son fourreau, car la lame représente une attitude guerrière et agressive. Sous les pieds de Philippe, celui qui le fit mettre à mort, le roi d'Hierapolis, ville aujourd'hui en Turquie. Saint Thomas tient une épée dans son fourreau. Cette arme l'aurait transpercée selon la légende dorée. Au socle, son persécuteur, le roi de l'Inde supérieure, Gandofer. Saint Simon, dit le Zélote, est supposé mis à mort par l'épée ou scié en deux, mais ce n'est pas certain, d'où une représentation fréquente avec une scie. On peut supposer que le monarque à ses pieds est celui de Perse, qui régnait dans le pays où il fut martyrisé. Saint Jude, appelé aussi Thaddée, a été placé dans l'angle en retrait. Il aurait été tué à coups de massue, puis décapité, d'où sa représentation fréquente avec une massue, mais aussi, comme ici, avec une épée dont il ne reste que le pommeau. Au socle, l'homme barbu et coiffé d'un bonnet est probablement le dénonciateur, responsable de sa mise à mort suite à un différend avec des prêtres païens.
Saint Paul est face à Saint Pierre. Paul se distingue par un front dégarni et une barbe allongée souvent en forme de pointe. Il n'était pas l'un des 12 apôtres attachés au Christ lors de son existence, avant sa crucifixion. Mais sa rencontre avec Jésus ressuscité le convertit au christianisme. Il fut par ses lettres l'un des premiers rédacteurs du Nouveau Testament. Il prend souvent la place de Judas dans les représentations. Il tient dans ses mains l'épée de sa décapitation à Rome, voulue par Néron qui occupe le socle sous ses pieds. Saint Jean, le plus jeune des apôtres, a un visage imberbe. Il tient le livre de son évangile. Certains exégètes contestent que Saint Jean l'apôtre et Saint Jean l'évangéliste soient le même homme. Le personnage sous ses pieds serait Aristodème, grand prêtre d'Éphèse, qui conditionna son éventuelle conversion au christianisme à un test appliqué à Jean. Il lui demanda de boire une coupe remplie d'un liquide empoisonné. Jean s'exécuta et le poison ne produit aucun effet. La coupe que tient Aristodème dans ses mains, remplie d'animaux venimeux, symbolise le poison proposé à Jean. Saint Jacques le Majeur est placé près de Jean, son frère. Ayant péri décapité, il porte pour attribut l'épée. Sur sa poitrine apparaît la coquille, symbole des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle. Énoncé à partir du IXe siècle, la preuve de sa présence à Compostelle n'a jamais été validée par les recherches archéologiques ou historiques. Saint Jacques d'Alphée, dit Saint Jacques le Mineur, est le cousin du Christ. La tradition raconte qu'il périt assommé par les foulons, des artisans frappant les étoffes pour les feutrer. Ces derniers utilisaient une bigorne, un long instrument de bois identique à celui que tient Jacques le Mineur. Saint Barthélemy, appelé aussi Nathanaël, tient, ou plutôt tenait, dans ses mains le couteau qui servit à l'écorcher vif. Au socle, ce serait Astragès, roi des Indes, qui le condamna. Saint Matthieu, juif de Galilée, publicain percepteur d'impôts, est apôtre et évangéliste, comme Saint Jean. Il tient dans ses mains le livre de son évangile, dont la paternité est actuellement contestée. D'après les dernières études historiques, le document qui lui est attribué semble avoir été originalement rédigé en grec. Son évangile s'inspirerait des textes rédigés précédemment, dont celui de Marc. L'homme du socle, qui est à l'écoute de la parole divine, est placé dans la vigne, lieu symbole du royaume de Dieu dans la Bible. Au centre du tympan, le Christ, assis, préside en juge suprême. Son flanc gauche est découvert pour laisser voir la plaie provoquée par la lance du centurion. Il élève les deux mains pour montrer l'emplacement des clous de sa croix. De part et d'autre du Christ, la Vierge et Saint Jean, les mains jointes, plaident en faveur de l'humanité. Au même niveau, deux anges tiennent les instruments de la passion du Christ. Celui de droite tient la colonne et le fouet de la flagellation. Celui de gauche tient la lance du centurion romain. Les deux anges de la partie supérieure du tympan tiennent de leurs mains voilées la croix dont il manque la partie transverse. En dessous, l'ange de gauche tient la couronne d'épines et celui de droite les clous de la crucifixion. Les anges, créatures spirituelles messagers entre Dieu et les hommes, peuplent les cinq voussures. Figure biblique de médiation, c'est à travers les anges que Dieu manifeste sa présence agissante. Nous connaissons par les livres sacrés 9 ordres hiérarchisés, distingués parmi les esprits célestes. Ces 9 ordres ont été formalisés et rassemblés par le détail dans un livre écrit par Denis l'Areopagite, un théologien, philosophe néoplatonicien du 5e siècle. Au sommet de la hiérarchie se trouvent les séraphins, serviteurs directs les plus proches de Dieu. Ils représentent l'accomplissement spirituel le plus total dans la doctrine chrétienne. Puis viennent les chérubins,
en dessous les trônes, puis les dominations. Suivent à des niveaux inférieurs les pouvoirs, appelés aussi puissances, les vertus, les principautés, les archanges et finalement les anges au niveau le plus bas de la hiérarchie, les plus proches des hommes et des choses sensibles. Dans les représentations, l'ange ailé n'apparaît qu'au IVe siècle. La première voussure se compose de chaque côté de quatre petits anges, chacun muni de trois paires d'ailes. Une au-dessus de la tête, une sur le côté et une sur le devant du corps. Il s'agit des deux cœurs les plus élevés en dignité, les plus proches de Dieu. À gauche, nous voyons les séraphins tenant dans leurs mains une boule. D'un point de vue spirituel, cette boule symbolise la source de toute la chaleur donnée par l'amour, tandis que les chérubins, à droite, tiennent la flamme de la clarté, synonyme de la lumière apportée par l'intelligence. Les trônes viennent dans la hiérarchie sous les chérubins. Ils sont présents dans la deuxième voussure. Trois à droite et deux à gauche, car suite semble-t-il à une erreur de montage, le troisième trône de la partie gauche a été interverti dans la troisième voussure, avec un ange appartenant aux dominations. Les trônes personnifient la justesse entre la réalité et le monde divin, ainsi que l'autorité de Dieu. Ils sont complètement sourds à toute tentation humaine. Ils ont le privilège de servir de siège à Dieu et de fondation au monde. Ils sont représentés assis, couronnés et tenant un sceptre. Dans la troisième voussure, on voit sur la partie droite quatre anges domination. Les dominations transmettent aux entités inférieures les commandements de Dieu. Ils sont libérés des passions, des dépravations et des tentations. Les dominations sont traditionnellement figurées comme des êtres de forme humaine, à la beauté angélique et dotés d'une paire d'ailes. Ils ne portent pas de couronne. Dans la troisième voussure, on voit sur la partie gauche trois anges représentant l'ordre vertu. Le quatrième, suite à une erreur de placement, se trouve interverti avec un trône de la deuxième voussure. Les vertus symbolisent la force et la vigueur durant un projet entrepris. Les vertus récompensent le chercheur en phase avec ses objectifs qui ira au bout de sa démarche. On les invoque pour se redonner force et courage. Ces anges sont ceux qui accomplissent les signes et miracles dans le monde. À droite de la quatrième voussure se tiennent cinq anges, appelés pouvoir ou puissance. Les pouvoirs travaillent essentiellement à maintenir l'ordre divin et à lutter contre les démons. Ces anges sont représentés comme des soldats dotés d'armes offensives qui sont des lances et d'armes défensives qui sont des boucliers. Dans la partie gauche de la quatrième voussure sont présents les anges dits principautés. Têtes nues, ils tiennent dans leurs mains le livre de la liturgie évangélique. Vêtus d'une aube, ils portent aussi la dalmatique, un vêtement de nature ecclésiastique. Les principautés dirigent et éclairent les niveaux inférieurs de la hiérarchie que sont les archanges et les anges. Ils sont gardiens de la profondeur divine et veillent à son bon emploi. Leur mission consiste à faire régner un certain ordre spirituel sur la terre par leur intervention céleste. Les archanges occupent la partie supérieure de chaque côté de la cinquième voussure. Les archanges, les dirigeants des anges, sont les messagers extraordinaires de Dieu auprès des hommes. Ceux qui annoncent des nouvelles ordinaires sont des anges, mais ceux qui annoncent de grands événements sont des archanges. Sont présents ici, tenant l'encensoir, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël et Uriel. Les anges occupent la partie centrale et inférieure de chaque côté de la cinquième voussure. Situés au plus bas niveau de la hiérarchie céleste, les anges sont envoyés du ciel pour annoncer des choses aux hommes. L'ange est normalement invisible, mais lorsqu'il se laisse voir, lors d'un rêve ou d'une vision,
il a une apparence humaine, transfigurée par une lumière surnaturelle. Les quatre anges de la partie centrale tiennent des cierges et un chandelier. Les quatre anges de la partie inférieure jouent de la trompette pour réveiller les morts et annoncer le jugement dernier. Au premier étage des voussures, cinq emplacements à gauche et cinq à droite sont occupés par des hommes et des femmes de tous âges sortant des tombeaux. C'est le thème de la résurrection des morts qui est représenté ici. Ce ne sont pas des cadavres, des corps squelettiques ou décharnés qui surgissent de leurs caveaux, mais symboliquement des êtres reformés, ressuscités, le regard tourné vers le Christ. La séparation des élus et des damnés se développe sur le linteau et sur la partie basse des voussures. Au centre du linteau, l'archange Saint-Michel procède à la pesée des bonnes et des mauvaises actions. La balance a malheureusement disparu. Cette symbolique de la balance pour séparer les morts n'est pas nouvelle. On en a des représentations sur des papyrus venant des Égyptiens de l'Antiquité, montrant leur dieu des morts Anubis avec une balance pour peser le bien et le mal attaché à chaque défunt. Le cortège des élus est visible à gauche de Saint-Michel, celui des damnés à droite de l'archange. Introduit par un ange à gauche de Saint-Michel, les élus se dirigent vers le paradis. On peut noter dans ces représentations une illustration des classes sociales, car le premier personnage à la gauche de l'ange est couronné, et à ses côtés se tient un évêque. À l'extrémité gauche du linteau, un ange aux cheveux frisés prend la main d'un être juvénile et souriant. Se prolongeant sur les voussures, on voit d'abord apparaître un ange qui apporte sur un linge l'âme d'un juste figuré sous la forme d'un petit personnage nu. Il le présente à Abraham, situé sur la voussure suivante. Abraham, le père des croyants, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, est assis et tient sur ses genoux trois âmes. Sur la troisième voussure, un ange accompagne un élu nu et couronné. Sur la quatrième voussure, un autre ange tient par la main une femme qui protège sa poitrine. Les différences sociales s'atténuent dans la nudité des personnages. Sur la cinquième voussure, un roi a reçu d'un ange sa couronne d'élu et remet à l'ange sa couronne de roi désormais inutile. Un Atlante. C'est en architecture le nom d'un personnage sculpté qui supporte une charge. Un Atlante a été placé à gauche sous le linteau du cortège des élus. Il a la mine réjouie. Ce n'est pas le cas de son vis-à-vis de droite sous le linteau des damnés qui lui se lamente. À la droite de l'archange Saint-Michel se trouve le cortège des damnés. À ses côtés, un diable velu pousse de sa main griffue un homme barbu qui se retourne. Le cortège entier est poussé vers le feu de l'enfer sur deux fils. Pour montrer que personne n'est épargné de la damnation, quel que soit son statut, on voit parmi les damnés un moine, une dame de la haute société, un évêque, un roi. Chacun attend son tour pour être précipité dans la fournaise. Un avare, dont la bourse autour du cou est remplie de ses économies devenues inutiles, est tiré par un diable vers le brasier. Par ces évocations du paradis et de l'enfer, on peut penser que, comme disait Voltaire, l'homme a créé Dieu à son image. La série des damnés se poursuit au bas des voussures. Sur la première voussure, un diable sans cervelle, dépourvu de raison, transporte sur son épaule un homme réduit à l'état de loque. À ses côtés, une dame de la haute société en costume d'apparat est saisie par un démon à cornes et aux pieds griffus. Puis vient un démon aux longues oreilles qui s'empare d'une moniale. Sur la quatrième voussure, un avare avec sa bourse est guidé vers l'enfer par un démon tirant la langue. Sur la cinquième voussure, c'est la luxure qui est condamnée.
Le démon transporte sur son dos dans une position très inconfortable, la tête renversée, une courtisane nue dont la longue chevelure balaie le sol. La queue du diable, qui se termine par un visage bestial, parle à l'oreille de la femme. La voussure extérieure de la voûte du porche central rappelle des figures de l'Ancien Testament. À chaque étape, les personnages sont assis et vont deux par deux. À l'exception de quelques-uns, ils ne peuvent être identifiés précisément car les inscriptions peintes sur les banderoles ont été effacées. Il s'agit certainement de patriarches et de prophètes car les têtes sont dépourvues de nimbes. Les personnages reconnaissables se situent sur la partie droite. À partir du bas, on voit Jessé qui déploie une banderole et à sa gauche son fils couronné David qui tient dans ses mains une harpe. Au-dessus, à gauche, le roi Salomon regarde vers la reine de Saba qui lui présente une fleur. Dans chaque ébrasement du portail de gauche, appelé aussi portail des martyrs, il y avait à l'origine seulement les trois statues proches de la porte. Ces personnages ne sont pas des hommes d'armes comme les deux autres statues rajoutées ultérieurement aux extrémités. Le premier des martyrs est saint Étienne. Il est revêtu de la dalmatique et porte les éléments liturgiques des diacres. Il tient le livre. Dessous, coiffé de la calotte juive, un des membres du Sanhédrin de Jérusalem. Cette assemblée législative traditionnelle d'Israël, qui est aussi son tribunal suprême, condamna saint Étienne à être lapidé pour blasphème. Saint Clément est un pape. Il est le troisième successeur de Pierre. On le voit coiffé de la tiare conique portée au XIIe siècle. Il tient la croix hastée, c'est-à-dire emmanchée au bout d'un long bâton. Il fait le geste de la bénédiction. Selon la tradition, il fut noyé sur ordre de l'empereur Trajan en l'an 100. Ses pieds reposent sur une petite chapelle entourée de flots qui, selon la légende dorée, fut construite au fond de la mer pour recueillir son corps. Saint Laurent était aussi un diacre. Comme saint Étienne, il porte le livre. Ce qui différencie les deux diacres, ce sont les sujets de leur socle. Sous saint Laurent, un diable saisit à la gorge l'empereur couronné Valérien, qui condamna saint Laurent à être brûlé vif sur le gris vers 255. Saint Vincent est un diacre originaire de Saragosse, mort martyr en 304 à Valence, lors de la persécution de Dioclétien. On notera la qualité des broderies qui décorent son vêtement. Les animaux qui composent son socle, un fauve et un rapace, évoquent la légende suivant laquelle son corps, noyé au large de Valence, fut rejeté sur le rivage et gardé par ses animaux jusqu'à ce qu'on vienne lui donner une sépulture. Saint-Denis, premier évêque de Paris, élève une main bénissante. Il est coiffé de la mitre. Le lion dans son socle rappelle qu'il fut exposé au lion sans être dévoré par ces derniers. Personnage légendaire venu d'Italie en 245 après Jésus-Christ, il est chargé d'évangéliser les territoires des Gaules avant d'être martyrisé vers 250. Une des hypothèses indique qu'il fut décapité à Lutèce au Mont des Martyrs. Celui-ci se trouve sur la butte de Montmartre à Paris. Son lieu de sépulture serait le lieu où s'élève la basilique de la ville de Saint-Denis. Il est généralement représenté portant sa tête, une représentation douloureuse qui, heureusement, fut évitée par le sculpteur de Chartres. Cette statue serait probablement celle de Saint Rustique, prêtre et compagnon de Saint-Denis, dont une rue de Paris proche de Montmartre porte le nom. Comme Saint-Denis, il aurait été décapité à Montmartre sur ordre de l'empereur Dèce, personnage couronné représenté en dessous de lui.
Cette statue est légèrement séparée par une colonne de celle des martyrs. Il s'agirait de Roland le Preux, mort en 778 à Roncevaux. Bien qu'il ne fût jamais honoré officiellement par l'Église, Roland était considéré au XIIe siècle comme un saint, d'où le nimbe derrière sa tête. Le socle représente le traître Ganelon en Côte de Maille, qui permit au roi sarrasin Marsile de tendre le piège où Roland trouvera la mort. La statue nous donne une idée assez précise de la tenue militaire sous le règne de Philippe Auguste. Dans l'ébrasement de droite, nous trouvons Saint Georges, un soldat chrétien né à Cappadoce qui servit dans l'armée romaine et qui, sur ordre de Dioclétien, mourut en 303, martyrisé sur une roue. Cette scène est représentée sur son socle. L'empereur romain avait décidé de reprendre sur une large échelle les persécutions contre les chrétiens et de prôner la sacralisation du pouvoir politique au moyen de l'imposition du culte solaire. La partie inférieure des voussures, ainsi que le linteau, évoque le martyr de Saint-Étienne. L'histoire se développe à partir de la gauche. Le premier sujet est un accusateur. De son index, il montre un texte sur un parchemin. À ses côtés, coiffé d'un bonnet juif, un autre témoin à charge. Dans la voussure centrale, Saint-Étienne, vêtu en diacre, tient le livre et lève la main droite. Positionné sur la deuxième voussure, un membre du Sanhédrin, le tribunal de Jérusalem, tient un phylactère, sans doute le texte de la loi. Le personnage de la première voussure est très mutilé, ce qui ne permet pas de l'identifier. Le linteau. À gauche, on voit un juif sortant de Jérusalem, probablement satisfait de la condamnation à mort d'Étienne. Puis apparaît Étienne, nimbé et revêtu de la dalmatique. Il est tenu par deux hommes qui le dirigent vers le lieu de sa lapidation. Dans la partie droite, on voit un bourreau tenant une provision de pierre. Étienne est tombé à genoux. Il prie en regardant le Christ du tampon. À sa droite, deux bourreaux s'apprêtent à lancer leurs pierres. Sur la partie droite du portail, au pied des voussures, de la gauche vers la droite, on voit un autre bourreau avec une pierre dans la main droite levée. Sa main gauche tient le pan relevé de son manteau dans lequel il a amassé des pierres. Le deuxième personnage a entièrement disparu. Vient ensuite un autre bourreau et sa réserve de pierres, qui se retourne vers Saul, le personnage suivant, en enlevant son manteau. Saul, trop jeune pour participer à la lapidation, garde les manteaux des bourreaux sur lesquels il est assis. Un dernier bourreau apparaît sur la dernière voussure. Le Christ est au centre du tympan, sa main droite levée, probablement en signe de bénédiction. Dans sa main gauche, il devait tenir la palme du martyr, un symbole attribué au saint martyrisé, dont l'extrémité adhère encore au nuage qui entoure le tympan. On suppose que les deux anges agenouillés tenaient dans leurs mains des encensoirs soutenus par des colonnes qui ont disparu et qui cachaient les joints aujourd'hui trop visibles. Le récit qui entoure la lapidation de Saint-Étienne indique qu'au moment de mourir, celui-ci vit les cieux s'ouvrir et le Christ lui apparaître. Sur la première voussure sont évoqués, à travers de jeunes garçons, les saints innocents, tous ces nouveaux-nés victimes de la fureur d'Hérode, comme illustré dans le linteau du portail royal de la cathédrale. On voit dans l'une des mains de certains la paume du martyr et dans l'autre une petite sphère représentant le sceau de Dieu. Le sceau symbolise le baptême par le sang qui les a scellés à Dieu. Sur la deuxième voussure, six martyrs apparaissent. En haut, au centre, l'animal peut être interprété comme un bélier égorgé dont le sang s'écoule le long de la voussure.
Ce sang est récupéré dans les manteaux des personnages, ce qui évoque un passage de l'Apocalypse de Saint Jean, où il est question de ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Sur la troisième voussure, les personnages que l'on ne peut identifier sont tous des martyrs, car ils tiennent tous dans leurs mains la palme des martyrs. Sur la quatrième voussure, on remarque une statuette à la tête couronnée. Il s'agit d'un roi martyrisé. Il en est de même à droite des martyrs qui apparaissent avec des couronnes. Au-dessus des rois, un évêque portant la mitre tient sur ses genoux un livre fermé. Au-dessus de l'évêque, un archevêque est coiffé lui aussi de la mitre. Sur sa chasuble, on voit le pallium, une bandelette de laine, symbole de sa fonction. La cinquième voussure est occupée de chaque côté par six martyrs assis, dont beaucoup ont la palme des martyrs. L'organisation des statuettes correspond pour la plupart à l'organisation de la hiérarchie ecclésiastique. La lecture se fait à partir de la gauche, de bas en haut. Un sous-diacre à l'aspect juvénile dresse de sa main droite la palme des martyrs. Il présente de la main gauche un livre fermé. Au-dessus, un diacre qui se différencie par une tunique plus épaisse et les épaules recouvertes d'une amicte. À son bras gauche pend la manipule, une bande d'étoffe de la même matière et de la même couleur que la chasuble, portée à partir du IXe siècle jusqu'au Concile Vatican II. Au troisième niveau, un jeune prêtre revêtu au-dessus de sa tunique de la chasuble pour célébrer la messe. On pense à un abbé dont la crosse a disparu pour la statuette suivante. Puis vient un évêque, coiffé d'une petite mitre et tenant sa crosse. Au sommet, un roi et sa couronne. Il tient son sceptre dans la main gauche. Il n'est pas ecclésiastique, mais par le sacre, il a reçu de l'Église son pouvoir. On retrouve sur la partie droite de la cinquième voussure le thème de la hiérarchie ecclésiastique. Ici, tous les martyrs sont des gens d'Église. En bas, le jeune martyr imberbe est probablement un clerc ou un sous-diacre. Puis vient le diacre, sa palme fine et longue dans la main droite. Au-dessus apparaît un prêtre en chasuble dont la palme s'appuie sur son épaule. Apparaît ensuite l'abbé dont on voit sous sa main droite, dans le mouvement de sa chasuble, le passage de la hampe de sa crosse. Au-dessus, un évêque mitré dont la crosse est en morceaux. Il en subsiste cependant une partie de la volute à gauche de la mitre. Enfin, en haut de la hiérarchie figure un pape. Il est coiffé de la tiare conique. Il élève la main droite en signe de bénédiction et sa main gauche semble tenir une fleur. La voussure de la voûte illustre à gauche la parabole des vierges sages et à droite des vierges folles. La parabole est rapportée dans l'Évangile selon saint Matthieu sous la forme « Tenez-vous prêts ?» car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Sur la partie gauche, les vierges sages tiennent à l'endroit leur lampe à huile pour accueillir l'époux. Les vierges folles, qui n'ont pas été prévoyantes, tiennent renversées leur lampe vide. Ce portail honore les saints qui ne sont pas morts en martyrs. Sur l'ébrasement de droite, près de la porte, apparaît saint Martin, évêque de Tours, un des évêques les plus célèbres d'Europe, dont le nom est repris à maintes occasions. Il naquit en Hongrie en 316. Il va jouer un rôle primordial dans la christianisation des Gaules et fonder le plus ancien monastère de France, près de Poitiers. La sculpture le représente en évêque, coiffé de la haute mitre et revêtu de la chasuble.
Il tient dans sa main gauche le bâton pastoral dont il manque la partie supérieure. Le socle avec deux chiens dont la langue est transpercée par le bâton pastoral symbolise le combat de Saint Martin contre les croyances et les coutumes païennes. Saint Jérôme est l'infatigable traducteur de la Bible. Mort en 420, il s'était retiré en solitaire à Bethléem. Il présente ouvert son livre « La Vulgate », une traduction en latin de la Bible. Il tient aussi, allant jusqu'à ses pieds, le texte original en hébreu. Sur son socle, le sculpteur a représenté un personnage symbolisant la synagogue juive qui, les yeux bandés, tente de lire un texte dont elle ne mesure pas l'importance. Le pape Saint Grégoire le Grand est coiffé de la tiare de forme conique. Une colombe, celle du Saint-Esprit, prend appui sur son épaule. Il est élu pape en 590 et décède en 604. De la croix qu'il tenait dans sa main gauche, il ne reste plus qu'un morceau. On notera le détail des ornements décorant ses vêtements. Dans le socle, le secrétaire du pape regarde la colombe du Saint-Esprit qui inspire les écrits de Grégoire. Le dernier personnage de cet ébrasement est Saint Avit, mort en 530. Il est le fondateur d'un monastère proche de Chartres, dans les forêts du Perche. Il tient la crosse d'abbé, dont la volute a disparu. Le sujet du socle a été interprété comme évoquant la remise de l'habit monastique à Saint Avit par Saint Maximin. Dans l'ébrasement de gauche, en partant de la porte, on trouve Saint Nicolas, évêque de Myre au IVe siècle. On remarquera la broderie de sa mitre et la dentelle de son aube, dont le bas est particulièrement riche en médaillons représentant des oiseaux. Sa crosse a malheureusement disparu, due, semble-t-il, au vandalisme révolutionnaire. Le socle, représentant le méchant aubergiste de la légende des trois écoliers mis au saloir et ressuscité par Saint Nicolas, a perdu sa tête en 1880. À gauche de Saint Nicolas se trouve Saint Amboise, évêque de Milan, mort en 397. Il porte le pallium réservé à la haute hiérarchie de l'Église. Le haut de sa crosse a disparu et le bas de la hampe pénètre dans la bouche du monarque présent dans son socle. Il s'agit de l'ambitieux tyran Maxime qui s'était déclaré empereur et qu'Amboise fut chargé de ramener à la raison. Saint Sylvestre est un pape dont la tiare est bien visible. Il a perdu la croix qu'il tenait. On remarque les broderies de son pallium. Le socle était composé de trois têtes, il en reste deux. Il représente Sylvestre avec deux clercs, fuyant les persécutions de Rome pour se réfugier au mont Sorac. La statue ajoutée à l'extrême gauche est Saint Lomer. D'origine modeste, il naquit près de Chartres et vécut au VIe siècle. Sa chevelure est coupée court suivant l'usage monastique. Le socle représente Saint Lomer en compagnie d'autres clercs allant chercher au tonneau le vin de la messe. Saint Martin occupe la partie gauche du linteau et du tympan. Dans le linteau, installé sur son cheval, il partage avec un malheureux la moitié de son manteau. Derrière le cheval, on perçoit l'écuyer. Au-dessus, dans le tympan, Saint Martin, dans un lit, dort la tête appuyée sur l'oreiller. En dessous, son écuyer est lui aussi plongé dans un profond sommeil. Le demi-manteau qui lui reste est accroché au-dessus de Saint Martin. En songe, il voit le Christ dans le ciel portant sur ses épaules la partie qu'il avait confiée au malheureux. Les deux scènes du côté droit concernent un Saint Nicolas. La première dans le linteau raconte que Saint Nicolas, encore étudiant, entendit qu'un vieil homme avare voulait vivre en prostituant ses trois filles. Saint Nicolas réunit alors ses économies et il introduisit discrètement par la fenêtre la somme qui leur servirait de dot pour se marier.
Saint Nicolas est mort vers 345 à Mir, aujourd'hui en Turquie. Lors des invasions musulmanes, ses restes furent transportés à Bari en Italie vers 1087. Dans le tympan, la scène représente son tombeau à Bari surmonté d'un gisant. Du sarcophage s'écoulait, disait-on, une huile miraculeuse permettant les guérisons. C'est pour cette raison que le sculpteur a placé au pied du tombeau des pèlerins s'enduisant le corps de ce liquide bienfaiteur. À l'exception de la cinquième voussure extérieure ajoutée ultérieurement, le rang inférieur des voussures, à gauche et à droite du portail, raconte l'histoire de Saint Gilles. Né à Athènes, ce saint moine serait venu vivre en ermite dans l'embouchure du Rhône, en Languedoc, au 7e siècle. Il rencontra un mendiant faiblement vêtu, à qui il donnera sa tunique. Sur les trois sujets suivants, on a l'illustration d'un même récit, la chasse du roi Charles. Sur la première statue, on voit le roi Charles avec sa couronne chevauchant. Il est à proximité de la caverne entre Arles et Nîmes où se trouve Saint Gilles. La statue suivante représente l'ermite muni du livre des méditations qui recueille une biche poursuivie par les chasseurs. Le troisième sujet montre un valet qui suit la meute des chiens jusqu'à la caverne, précédant ainsi la rencontre du roi Charles et de Saint Gilles. À droite du portail, suite de l'histoire de Saint Gilles et du roi Charles. La même scène qui englobe les quatre sujets représente la messe célébrée par Saint Gilles à laquelle assiste le roi. En lisant de la droite vers la gauche apparaissent l'écuyer qui garde le cheval du roi, le roi couronné qui prit un genou à terre, pendant que l'on voit ensuite Gilles qui officie la messe. Devant l'autel apparaît un ange muni d'un parchemin déclarant que le roi sera pardonné d'un péché qu'il a commis récemment et qui le torture psychologiquement. Dans la première voussure sont présentés 8 saints porteurs de leur nimbe. Pour symboliser le paradis, ils ont les pieds rendus invisibles par la flore luxuriante qui émerge de celui-ci. Sur le premier niveau de la voussure, à gauche et à droite, se trouvent des laïcs. Un laïc est celui qui ne relève pas du clergé religieux ni d'un des ordres monastiques dans la société chrétienne. Dans l'Église catholique, on désigne comme laïc les personnes qui, tout en appartenant à la communauté des fidèles, n'ont pas la responsabilité sacerdotale comme les membres du clergé. Au deuxième niveau, on voit 2 lecteurs qui déploient chacun un phylactère sur lequel sont inscrites les paroles divines. Les clercs, représentés au troisième niveau, tiennent le seau d'eau bénite et le goupillon. Au sommet de la voussure, les acolytes, personnes dont la fonction est d'assister le prêtre lors des célébrations, portent le chandelier surmonté d'un cierge. La deuxième voussure comporte à sa base un chevalier, la main gauche appuyée sur son bouclier. Il est vêtu de son haubert, une cotte de maille à manches. Ici, ce chevalier est un saint confesseur. À gauche, le vieillard à la longue barbe semble être un laïc, à la stature d'un orateur ou d'un tribun. Au deuxième niveau, on voit 2 sous-diacres tenant la navette à encens. Au sommet, 2 diacres portent chacun le livre des évangiles. Il semble que c'est un personnage noble qui occupe la base de la troisième voussure côté droit. Il est coiffé d'une calotte qu'entoure une discrète couronne. Le sceptre était son attribut. Le pendant de gauche est coiffé d'une simple calotte, ce qui fait penser à un laïc. Au deuxième niveau, à droite, un moine, sa capuche sur la tête, lève la main comme un prédicateur.
À gauche, un ermite se livre à un travail de copiste ou de traducteur. Le troisième niveau à droite nous révèle un prêtre revêtu de la chasuble. À gauche, probablement un autre prêtre ou un diacre. Il tient à deux mains sur ses genoux un livre ouvert. Au sommet de la voussure, à droite et à gauche, des abbés portant une chape, grande cape de cérémonie. À la base de la quatrième voussure, à droite, un personnage est couronné. Il s'agit donc d'un roi. Il donne l'impression de rendre la justice. De l'autre côté, un autre roi. Il lève la main gauche avec autorité. Au deuxième niveau, à droite, la mitre nous révèle un évêque. Il tient un livre fermé et la crosse de sa main droite a disparu. Côté gauche, un autre évêque est malheureusement décapité. On aperçoit au niveau de ses pieds l'étole dépassant sous sa chasuble. Au niveau 3 de la quatrième voussure, sur la droite, c'est un archevêque qui se distingue par le port du pallium. Il nous fait face tout en ayant perdu sa tête. Sur la gauche, un autre archevêque, lui aussi porteur de son pallium. Au quatrième niveau, on croit voir à droite un patriarche dont l'autorité recouvre un grand nombre de diocèses. À gauche, un autre patriarche déroule un phylactère devant ses jambes. Finalement, au sommet sont situés deux papes coiffés de leur tiare. La cinquième voussure, ajoutée ultérieurement, est d'un style différent. Elle évoque à nouveau la hiérarchie ecclésiastique. Au premier niveau sont positionnés des jeunes clercs. Ils sont debout, contrairement aux autres personnages de cette cinquième voussure qui sont assis. Puis viennent des diacres tenant dans leurs mains un livre fermé. Au troisième niveau apparaissent des prêtres dont on notera l'exactitude du traitement des vêtements liturgiques. Au quatrième niveau, des abbés ont gardé leur crosse quasiment intacte. Coiffés de leur mitre, des évêques occupent le cinquième niveau. Suivent les archevêques qui se remarquent à leur pallium. On pense qu'ils tenaient dans une de leurs mains la croix double, aujourd'hui appelée croix de Lorraine. Originaire de Constantinople, au Moyen-Âge, elle était l'attribut des archevêques. Au sommet de la voussure trône un empereur couronné, tenant un globe dans sa main gauche. À ses côtés, un pape, coiffé d'une tiare, dont on n'explique pas pourquoi il tient une fleur. Nous abordons le pilier gauche où 24 saints martyrs sont représentés. La lecture se fait de haut en bas. Sur la face sud, Saint Jean-Baptiste, prophète, annonciateur et baptiseur du Christ, est décapité sur ordre d'Hérode afin de satisfaire le désir de sa fille Salomé. En dessous, l'archevêque de Reims, Saint Nicaise, est mis à mort en 407 par les Vandales. On aperçoit, sortant du ciel, deux mains tenant sa mitre. Saint Saturnin, archevêque de Toulouse au milieu du IIIe siècle, est attaché à un taureau qui le tire jusqu'à la Garonne sur l'escalier descendant du Capitole. Le sujet suivant est très mutilé. On pense qu'il s'agit de Saint Pierre, prêtre et martyr de Tournai, dont la tête est absente. On lui fit subir le supplice des clous enfoncés dans le crâne. En dessous, Saint Procope est poussé dans une fournaise. Il meurt en martyr en 303. Il menait une vie ascétique, méditant les saintes écritures et vivant uniquement de pain. À la base du pilier se trouve Saint Pantaléon, médecin originaire de Nicomédie en Turquie. Attaché à un olivier, un soldat va lui trancher la tête. Sur cette face occidentale du pilier extérieur gauche, de haut en bas, apparaissent Sainte Calixte, pape du IIIe siècle défenestré, puis précipité dans un puits. Saint Popon, qu'un personnage contraint de marcher sur des braises incandescentes.
Saint Ignace, évêque d'Antioche, livré au lion malgré ses plus de 70 ans. Ignace fut arrêté par les autorités et transféré à Rome pour être mis à mort dans l'arène pendant la persécution de Trajan. On voit à présent Saint Sébastien, originaire de Narbonne, condamné vers 288 à Rome, être transpercé par des flèches, tirées ici par le petit personnage à ses côtés. Saint Eustache, sa femme et leurs deux fils sont brûlés vifs dans un taureau de bronze. Un bourreau attise le feu avec son soufflet. Tout en bas, les deux frères Saint Gervais et Saint Protais sont mis à mort à Milan sur l'ordre de Néron. Ce pilier est situé à gauche du portail central. Sur sa face sud sont représentées les vertus et les vices. Nous verrons plus tard que le pilier droit du portail central reprend la suite de ce thème. De haut en bas, tout d'abord, la chasteté. Cette femme tient la palme du martyr, symbole de l'ascèse que la chasteté s'impose. Sur son blason se trouve un oiseau, un phénix, qui est au milieu des flammes. Le phénix est un oiseau qui renaît sans cesse de ses cendres. Le phénix a la particularité de pouvoir se reproduire sans aucun rapport sexuel. Il était considéré comme le modèle de la virginité. Apparaît la luxure. Le couple reste prude dans cette représentation. La femme devait tenir un miroir, emblème de la coquetterie et de la séduction, dont on voit encore le bout du manche dans sa main droite. Le jeune homme a une escarcelle pendue à sa ceinture, prêt à payer le moment de plaisir. En cette période d'amour courtois, il n'était pas question d'avilir la femme. Il ne fallait pas représenter non plus la luxure avec outrance, car cela aurait fait perdre à la représentation de la chasteté une partie de son mérite. La sagesse, c'est aussi la connaissance, la raison et la prudence. Cette femme a sur son blason un serpent. « Soyez prudents comme des serpents », disait Jésus en envoyant ses disciples en mission. De nos jours, cette représentation du caducée, bâton orné d'un serpent, est reprise par le corps médical et pharmaceutique pour symboliser la connaissance. La folie. Armé d'une massue, ce personnage à peine vêtu manifeste une fureur extrême. Il va frapper. Il est habituel de représenter au Moyen-Âge les fous avec une massue à la main. La folie, c'est la déraison, le manque de contrôle de soi. L'humilité, elle est suggérée surtout par l'attitude de cette femme qui incline la tête. Elle a sur son blason une colombe. « Soyez simples comme les colombes », disait Jésus. L'orgueil. Pour les théologiens médiévaux, l'orgueil est le péché général qui résume en lui toutes les fautes. Villard de Haunecourt l'a dessiné comme un cavalier désarçonné par sa monture en pleine course et qui va rouler à terre. Il précise, voilà comment il trébuche. Sur la face ouest du pilier gauche du portail central apparaissent la suite des vertus et des vies. Cette statue, très abîmée, est l'allégorie de la foi. La foi est la vertu par laquelle nous croyons à ce que nous ne voyons pas. La foi tient un écusson sur lequel est gravé un calice. La foi consiste à reconnaître dans le vin du calice posé sur l'autel le sang du Christ versé pour le pardon des péchés. L'idolâtrie. Un homme fléchit le genou devant une idole. Un petit diable qui évoque Satan lui présente une coupe remplie d'argent. L'idole incarne la tentation de l'argent et des richesses qui détournent l'homme du vrai Dieu. Le visage serein, l'espérance lève la tête et montre l'oriflamme qui flotte sur son blason. Il s'agit ici de l'espérance de la résurrection, victoire sur la mort.
L'oriflamme est aussi porté en avant des troupes qui chevauchent avec l'espoir de remporter la victoire. C'est une attente de la gloire future. On voit ici le désespoir, voire plus profondément la désespérance, dont l'image se rattache au poème de Prudence, un écrivain chrétien du IVe siècle. La colère qui ne peut triompher de la patience se donne la mort. Dans la représentation, une femme se transperce d'une épée. On voit la pointe de l'épée qui sort du flanc, au-dessus de la ceinture. La charité donne sa tunique à un enfant pauvre. Sur l'écu, l'emblème est la brebis qui se laisse tondre pour que sa laine serve à vêtir chaudement les humains. L'avarice ou l'égoïsme brasse les écus qui remplissent son coffre. L'avarice ou l'amour excessif de la possession de richesses a été sévèrement condamné par saint Paul qui écrit que la cupidité est la racine de tous les maux. La face orientale de ce pilier gauche du portail central représente une partie des 24 vieillards musiciens de l'Apocalypse de saint Jean. 6 d'entre eux sont présents sur cette face. 6 autres sont présents sur la face nord de ce pilier non représenté ici. 12 autres vieillards apparaissent sur 2 faces du pilier droit du portail central. Notons que dans la culture juive de l'époque du Christ, le terme de vieillard signifiait personne sage et inspirant le respect. Ces vieillards sont des êtres angéliques qui occupent des postes de très haut niveau dans le gouvernement de Dieu. Comme indiqué précédemment, le pilier droit du portail central supporte sur sa face orientée à l'ouest 6 des vieillards musiciens de l'Apocalypse de saint Jean. 6 autres vieillards se trouvent sur la face nord du pilier, non visibles sur cette vidéo. Nous retrouvons ici, sur la face sud du pilier droit du portail central, la suite des vertus et des vices entamées sur le pilier gauche. De haut en bas figure la patience, très abîmée, qui portait sur son écu comme emblème un taureau, symbole de cette vertu. C'est à présent la colère qui apparaît. Une noble dame brandit une épée face au moine. Ce dernier lui montre le livre rappelant que le laïc qui menace le prêtre de son épée est un pénitent indocile qui ne sait endurer de réprimande. Une femme assez jeune symbolise la douceur. De sa main gauche, elle nous montre l'agneau sur son blason. La représentation de la dureté a souffert. Cette femme est mauvaise et dure car elle n'est capable d'aucune reconnaissance. Un serviteur fléchit le genou devant une femme assise sur un siège richement décoré, les pieds posés sur un tabouret pour prouver son importance. Il lui présentait sans doute une coupe pour qu'elle boive. En guise de remerciement, la femme le repousse violemment du pied et lève sa main pour le gifler. Le courage est symbolisé par cette femme casquée dont le haubert, ce vêtement à côte de maille, laisse apparaître sa robe au niveau de ses pieds. Elle tenait dans sa main droite une épée dressée. Elle n'est pas menaçante, mais prête à toute éventualité. L'emblème figurant sur l'écu est le lion, qui représente le courage et la force. La lâcheté. C'est un homme, un garde qui abandonne son poste et son épée, car il est effrayé par un lièvre dont il ne subsiste sur sa droite que la trace des pas. Sur la face orientale du pilier droit du portail central prend place les dernières représentations des vertus et des vices. De haut en bas se présente la persévérance avec une couronne sur son écu. Cette représentation s'inspire d'une phrase de l'Apocalypse de saint Jean « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie ».
Cette vertu, persévérance ou fidélité, est celle que l'on doit garder d'un bout à l'autre de sa vie en toutes circonstances. L'inconstance ou infidélité est personnifiée par un moine qui se défroque. Il ne porte plus que sa chemise car il a abandonné derrière lui, à la porte du monastère, sa robe de bure et ses gros souliers fourrés qui le protégeaient du froid dans cette bâtisse où seuls étaient chauffés la cuisine et la salle des copistes. L'obéissance a pour emblème un chameau. Pour Abban Mor, un savant bénédictin du XIe siècle, le chameau est le modèle de la soumission car il s'agenouille pour recevoir son fardeau. La rébellion ou désobéissance est présentée sous la forme d'un homme noblement vêtu qui porte une escarcelle suspendue à la ceinture. Il s'apprête à gifler un évêque. Celui-ci tenait sa crosse dont il ne reste que la rampe. Épée, cette femme dont le visage est abîmé, porte sur son écu un rameau d'olivier. Depuis la fin du déluge, le rameau d'olivier est le symbole de la paix. La discorde. Le thème choisi pour illustrer ce vice est une scène de ménage. Une femme a abandonné son fuseau et sa quenouille. Elle en est venue aux mains avec son époux. Elle lui reproche sans doute de trop boire, car on voit un pichet sur le sol d'où le vin se répand. Le pilier des confesseurs se place à l'extrême droite du portail sud, symétriquement à celui des martyrs. Ce pilier présente 24 scènes relatives à la vie de confesseur. Tous sont des ecclésiastiques et la hiérarchie est là aussi respectée car les papes et les évêques figurent au sommet du pilier. Côtoyant les grands fondateurs de l'Église, on a mis à l'honneur la vie du diocèse car sont évoquées de préférence des scènes qui se sont passées à Chartres ou dans la région. Le pape Saint Grégoire le Grand, coiffé d'une tiare, est assis à son pupitre. Il écrit lorsque son secrétaire, le diacre Pierre, écarte le rideau et découvre que c'est l'Esprit Saint qui, sous l'aspect d'une colombe, inspire son maître. La colombe a malheureusement disparu. Elle se trouvait sur l'épaule de Saint Grégoire. En 496, l'archevêque de Reims, Saint-Rémy, s'apprête à baptiser Clovis. Au-dessus de l'autel, on aperçoit les restes de la colombe qui sortait des nuages, apportant dans son bec la sainte ampoule pour l'onction. Saint Solène fut évêque de Chartres du temps de Clovis. Il est possible qu'il ait participé à l'instruction chrétienne du roi et assisté à son baptême par Rémy à Reims. Solène bénit Clovis qui part en expédition. Le roi est en costume militaire du début du XIIIe siècle. La couronne royale repose sur son aume qui lui enveloppe la tête. Son haubert ou cotte de maille est recouvert d'un surcoup pour le protéger du soleil. Comme tout chevalier, son épée pend à son ceinturion et il porte des éperons. Salomère est un saint local très honoré à Chartres. Moine, il fonda un monastère à Corbion. On dit qu'il était très vertueux et fit beaucoup de miracles. Par le signe de croix et les saintes huiles, il guérit une femme qui, en reconnaissance, lui donna une somme importante. La dame est agenouillée devant lui, coiffée du touret à mentonnière comme les grandes dames du XIIIe siècle. La généreuse donatrice porte son escarcelle en bandoulière. Plaincalex fut ermite dans le Perche, au temps de Childebert, le fils de Clovis. Il bait. Il a tellement chaud qu'il a suspendu sa bure à un arbre. Au moment de la reprendre le soir, il découvre dans son vêtement un nid où un roitelet a pendu un œuf. L'oiseau est bien visible, malgré sa tête perdue. Saint Hilarion, tout jeune, rend visite à Saint Antoine le Grand, qui depuis bien des années était ermite dans le désert égyptien.
Hilarion était alors étudiant à Alexandrie. En rencontrant saint Antoine, il prit conscience que Dieu l'appelait, lui aussi, à être ermite. Sur cette face ouest du pilier de l'extrême droite figure en premier lieu saint Léon, qui fut pape et docteur de l'Église de 406 à 461. Il se révéla un énergique défenseur de la foi par ses lettres. Il y exprime la doctrine de l'unicité de la personne du Christ subsistant en deux natures distinctes. Au concile de 451, Léon a impressionné par son exposé de sa lettre à Flavien. C'est alors qu'une légende a pris forme représentée sur le pilier. Léon a prié Saint-Pierre de l'aider à rédiger sa lettre à Flavien. Il a déposé son document sur l'autel. Un peu plus tard, un ange le lui a rapporté corrigé. Saint-Martin, présent à Autun, y renversa une idole. Un homme alors se précipita sur lui en brandissant une hache. Puis se ressaisissant, il tomba à genoux en demandant pardon et en se découvrant. En guise de pardon, saint Martin récupéra le bonnet qu'il lui remit gentiment sur la tête. Saint Lubin vient d'être prévenu qu'un jeune prêtre est gravement malade. Lubin prend les saintes huiles et se rend au chevet du mourant en priant. Seigneur, toi qui sais tout, si tu juges que ton serviteur doit être utile à l'Église, rends-lui la santé. Les onctions ne sont pas terminées que le malade se lève et guérit. Cette guérison miraculeuse fut un signe car il s'agissait de Calétric qui deviendra un proche collaborateur de Lubin et lui succédera comme évêque. Voici à présent un moine assis qui devait tenir sa crosse d'abbé dont on ne voit plus que la pointe de la hampe. Il s'agit vraisemblablement de saint Benoît tenant le livre où est écrite la règle qui porte son nom. Cette règle de vie d'une grande sagesse est suivie jusqu'à nos jours dans les communautés de moines et moniales de la famille bénédictine. Saint Antoine est né en 251 en Égypte de parents chrétiens. À la mort de ces derniers, il fit don aux pauvres de la fortune reçue en héritage et se retira dans le désert où le diable le tenta à plusieurs reprises sous différentes formes. Il en sortit vainqueur par la prière. Il vécut solitaire jusqu'à plus de 100 ans. Saint Avit est un saint local qui s'était retiré dans la forêt du Perche. On voit ici l'ermite assis au milieu des arbres représentant la forêt. Il a son livre de prière ouvert sur ses genoux. Son vêtement est fait de poils d'animaux. Pour lui tenir chaud, il porte un genre de pèlerine. Les faces nord et est du pilier ne sont pas présentées ici. Sur la face nord, de haut en bas, on trouvera successivement saint Amboise, saint Martin, saint Marcel qui fut l'un des grands évêques de Paris, saint Gilles, saint Jérôme et saint Martinien. Sur la face orientale apparaissent de haut en bas saint Sylvestre, baptiseur de l'empereur Constantin, saint Martin, saint Lubin, saint Benoît, saint Lié et saint Armel. La voussure de la voûte du portail de droite fait apparaître des apôtres. En partant du bas sur le côté droit, sont présents cinq d'entre eux. On voit successivement Saint-Pierre avec sa clé et la croix de son supplice, Saint-Matthieu et sa hache, Saint-Jacques le Majeur avec l'épée qu'il exécuta, Saint-André et sa croix sur la poitrine, Saint-Jean un berbe tenant un calice. Du côté gauche, de bas en haut, Saint Paul, un livre et une épée dans les mains. Saint Thomas, l'architecte, et son équerre. Un apôtre non défini tenant une épée. Saint Jacques le Mineur, qui au XIIIe siècle était supposé être le premier évêque de Jérusalem, tient ce qui reste de sa crosse.
un autre apôtre non identifié tenant une palme. Placée dans des niches, au sommet du portail se trouve la galerie des rois. Elle représente les ancêtres du Christ, les rois de Juda. Aux 15 rois cités par saint Matthieu, on y a ajouté les trois qui ont régné jusqu'à la disparition du royaume de Juda. Placée sur le côté ouest adjacent au portail de gauche, un seul roi peut être clairement identifié, c'est David, jouant de la harpe. Au socle, l'arbre de Jessé, né de la poitrine d'un homme couché. Ainsi, ces rois relient l'Ancien Testament au Nouveau. Comme ils sont vêtus en rois du Moyen-Âge, certains ont affirmé qu'il s'agissait des rois de France, mais ce n'est pas le cas. C'était une coutume courante de vêtir des personnages d'une autre époque à la mode contemporaine. Placé sur le côté est adjacent au portail de droite, d'autres rois, avec leur couronne et leur sceptre, complètent cette galerie du portail sud. Sur cette voussure extérieure du portail de gauche apparaît en bas un chérubin, les pieds posés sur une roue, un foulard noué autour du cou. Les autres anges tiennent un chandelier. Sur la partie droite de cette voussure extérieure du portail de gauche, en bas, se trouve l'archange Saint-Michel, armé d'une lance et piétinant un diable précipité dans le vide. Les autres anges tiennent un chandelier. 14 statuettes de femmes couronnées ornent la voussure extérieure du portail central. Elles figurent les vertus. Quelques-unes sont malheureusement très endommagées. Sur le portail de droite, ce sont des anges portant pour la plupart le chandelier qui occupe la voussure extérieure. Sur la façade, des trois pignons figurent de gauche à droite. Anne, la mère de Marie. Au centre, Marie présentée avec l'enfant, entourée de deux anges balançant dans son foie. Au pignon de droite, Marie avec à sa gauche un ange qui déploie une banderole et à sa droite, un ange qui tient un sceptre. Thank you.